Dépêchons. On peut peut-être récupérer un éclat du burin et nous éclipser avant qu'il nous voie. Toi. Atreus. En toi, le père de tout l'exige. Non. Tant mieux. C'est mon combat, Atreus. Va-t'en. Où est-ce que tu vas comme ça? Oh non, mon frère. L'avorton a un arc. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu mon frère. Tu n'as pas d'ordre à l'ordre. Reste derrière moi, Atreus. Pourquoi nous poursuivez-vous? Que veut Odin? Je sais pas, je m'en fiche. Viens là, bâtard. Arrête de te cacher derrière ton père. Tais-toi! M'appelle pas comme ça! C'est fou que tu aies tenu si longtemps. Tes pauvres bras peuvent à peine soulever ton bras. J'ai dit de te taire! Calme-toi, Atreus. On dirait qu'ils n'ont pas retenu la chute. Je me sens là. Ne l'écoute pas, petit. Il essaie de te provoquer. Imbécile! Les fils de Thor auront vos droits. Les fils de Thor peuvent toujours essayer. Tête! Désolé, je sais, je suis allé trop loin. Tu es pitoyable. Arrêtez! Atreus, reste concentré! Moche, qu'est-ce que je dis?
Comment as-tu fait? Tu n'as aucune idée de ce que... Sale fils de chien! C'est ton tour! Oh reviens! Ne... Lâche! Ne... Je vais t'arracher la tête! La maladie... La fièvre est revenue. Non! C'est faux! Atreus! La toux, le sang... Ton fils est malade et il a besoin de Freya. Non! Doucement... Ça va aller. C'est bien, petit. Je vais bien, tu vois. On devrait le surveiller. Ça suffit. Ça devrait. Avec ça, nous pouvons graver la rune menant à Jotunheim et à votre destination. Et nous pouvons aussi ouvrir toutes les portes fermées par un saut magique que nous avons vu, comme celle qui se trouve dans ce coin. Tu peux passer cette porte maintenant que tu as le burin. Tu as tué Magni. Pas qu'un peu. C'était un dieu. Mais il l'a tué. Un as mineur, certes, mais oui. Et son père est Thor. Pas mineur, celui-ci. Pas du tout. Ça ne sera pas sans conséquence, Asgard. Je nous ai défendus. Bien de plus. Je ne crains aucun jugement. Un jugement, non. Mais pour ce qui est d'une vengeance. Depuis quand peut-on tuer un dieu?
On est déjà venu ici, mais comment repartir? Hey Sindri, tu connais Mimir? Si tu parles de la tête coupée qui me fait des clins d'œil, merci de ne pas l'approcher. Je doute que ce soit très hygiénique. Oh, charmant. Ravi de te voir aussi, Sindri. Crétin.